l'activité, le chômage, une menace que vivent particulièrement avec la boisse les salariés des entreprises en attente d'un plan social. Le préjudice, vous allez le voir, n'est d'ailleurs pas seulement financier. Je vous propose de regarder ce reportage qu'on met entre la Bretagne et la Gironde par un match poissonnier. Jean-Philippe Pache et Nicolas Belle. Oh là là, arrête, un matin d'octobre 2018, l'un des grands patrons de BIC est venu à Vannes. Il a réuni les 33 salariés et leur a annoncé que leur entreprise allait faire faillite. Comme si on prenait un mouchoir, on jette après. Comme si on, je sais pas, sans explication, mais pourquoi? Où on a notre travail? Ce jour-là, vers la leur usine, ils sont en grève. On n'a plus des collègues de travail, on est devenu une famille, on est soudés. C'est une vie qui s'est passée et maintenant on se dit qu'on est une famille. Je passe plus ma vie ici normalement que chez moi, quoi. Donc pour justement que ça avance. On râle doucement, 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 doucement. En Gironde, ça fait une dizaine d'années que les 850 employés de Forge savent leur emploi menacé. Bonjour. Oui, bonjour. Éric Troyas est délégué syndical. Je vais dire fort bien. Ça fait du bien quand on vient nous dire. Mais aïe, plante. Aïe, aïe, aïe. Doucement, mais plante. Parce que oral. Des blancs, on en passe. Hein. Et je pense qu'on va en passer encore. Ford a annoncé la fermeture de l'usine. Éric Troyas nous invite à une réunion intersyndicale. Ici, les élus du personnel, parmi lesquels un certain Philippe Boutou, se battent pour trouver un repreneur. Et ce jour-là, ils reçoivent un soutien de poids. Donc ça qu'est-ce, sera une qu'est-ce tu fais pour midi. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, merci. Merci. Au revoir. Ils sont convoqués au ministère des Finances. C'est réglé. Ford propose des indemnités plutôt généreuses, jusqu'à 70% du salaire versé pendant 7 ans. Alors au sein même de l'entreprise, certains préféreraient que l'usine ferme. Le problème qu'on a, nous, en tant que syndicalistes, c'est de faire en sorte que les gens puissent raisonner de façon collective et non pas de façon individualiste. Dans la tête des gens dans les ateliers, on est plutôt c'est cette histoire de pouvoir se sauver et de ne pas attendre ce que nous, on se bat en intersyndicale pour qu'il y ait un repreneur solide, en bonne condition, qui arrive. L'entreprise Ford de Blanquefort sera fixée sur son sort d'ici le 28 janvier. Et à propos d'emploi, sachez que David Pujadas recevra le ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ce soir à 22h sur LCI, canal 26. Pour 25 millions de salariés, c'est aussi l'heure de vérité quant au prélèvement de l'impôt à la source. Les premières feuilles de paie viennent d'être reçues. Alors le fameux choc psychologique a-t-il eu lieu? Réponse avec Denis Cadeau et Mathilde Belleville. Au siège de ce groupe spécialisé dans l'assurance construction, les salariés ont pu vérifier dès ce vendredi le virement de leur salaire de janvier. Ils sont donc parmi les premiers en France à avoir découvert le prélèvement de l'impôt à la source. J'ai regardé mon compte et oui, ça correspond à ce à quoi je m'attendais, au prélèvement qui a été communiqué. Et voici en détail ce qu'ils verront en recevant par la poste leur bulletin de paie papier, une paie désormais un peu réduite d'emblée. Mais pour ceux qui étaient mensualisés, cela n'est pas forcément mal perçu. Là, c'est directement acté, donc du coup, ce qui reste. Ouais, non, non. Ce qui reste à pouvoir dépenser. T'as vu, c'est elle qui va le chercher, hein. Autre avantage, on va gagner dans ce cadre la disparition de tout décalage